Bonjour, Joanne Daris, infirmière auxiliaire depuis 29 ans, dont 23 ans ici à la résidence Desjardins à Saint-André. Mes principales tâches sont les pansements, les prises de sang, les injections, la distribution de médicaments et les signes vitaux. Je fais aussi le pont entre les familles, les résidents et les principaux professionnels de la santé. Bonjour, mon nom est Nadine Blanchette. Je suis infirmière auxiliaire aux résidences l'abri de Saint-Pascal. Je suis responsable des soins. Mon métier, ça consiste à donner des traitements, faire des suivis médicaux avec les médecins et autres professionnels de la santé. Infirmière auxiliaire depuis 6 ans à la résidence Elenova de la Pocatière. Mon métier, en fait, il consiste à prendre soin de mes résidents de différentes façons. Je peux prendre des glycémies, je peux donner de l'insuline, je peux amener aussi un support émotif qui est important aussi, vraiment beaucoup dans mon métier. On doit toujours avoir un bon lien, autant avec le résident qu'avec la famille. Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? C'est le sentiment d'être aidante, le remerciement des résidents, les techniques, genre injection, pansement, prise de sang. Il faut avoir des belles qualités pour faire ce métier. Il faut avoir de l'empathie, de la patience, de la bonne écoute et une certaine dextérité manuelle. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est de contribuer à leur donner une meilleure qualité de vie et à être à l'écoute le plus possible de leurs besoins. C'est vraiment d'aider les gens puis d'avoir un contact avec eux. Et d'être capable de les faire sourire, ça, là, ça fait mon petit bonheur dans ma journée. Mon métier m'apporte la satisfaction du devoir accompli. Quand un résident vient me voir puis qu'il me dit « Joanne, ça va bien, Joanne, merci », c'est ça ma paye. C'est de savoir qu'après chaque quart de travail, de me sentir valorisée parce que j'ai donné un petit plus à ces personnes-là. Pour moi, c'est un métier qui est vraiment gratifiant parce qu'en plus, j'aime aider les gens. Et quand que je me rends compte d'un problème chez un résident puis que je prends la décision de l'envoyer consulter à l'hôpital, et que par la suite, par le fait même, j'ai des retours de médecins ou du personnel infirmier là-bas qui me dit « t'as bien fait de l'envoyer ». Ça, ça m'amène vraiment beaucoup là, de satisfaction personnelle de savoir que j'ai aidé la personne. J'aime tellement mon métier que j'ai décidé de retourner à l'école pour faire mon DEC en soins infirmiers et devenir infirmière. Où que je me vois dans 5 ans, c'est encore dans le même domaine, j'en mange, en espérant qu'il y ait de la relève, parce que c'est nous les aînés de demain. Étant donné que j'ai travaillé plusieurs années à Montréal, revenir travailler dans ma belle région du Kamouraska m'a démontré qu'on peut créer une belle complicité avec la clientèle. C'est pratiquement une famille. Moi, je suis native de Lévis et j'ai décidé de m'installer dans la région du Kamouraska. Puis c'est pas pour rien qu'il y a le mot « amour » dans Kamouraska, c'est parce que c'est ici que j'ai trouvé l'amour.